Mon plus grand souvenir d'Arc de Triomphe, c'est Seabird qui a gagné de 6 longueurs, vraiment en déposant les autres concurrents. Ça a été un souvenir exceptionnel sur le toit de Longchamp de voir l'envol. On ne peut pas appeler ça autrement qu'un envol. C'était la dernière année des tribunes de Longchamp. Quand mon père est arrivé avec Marcel Boussac, leur premier chantier a été le renouvellement des tribunes de Longchamp, de refaire toutes les tribunes qui ont été construites sur le côté des anciennes et qui après ont été ripées sur des vérins à leur place. Un souvenir particulier, c'est la victoire de Sagamix en 1998 dans le prix de l'Arc de Triomphe. Jean-Luc Lagardère, qui était président, avait invité Jacques Chirac, président de la République, à venir. Il ne pouvait pas, mais il lui avait dit « je t'envoie ma femme ». Et donc, Madame Chirac est arrivée, et au moment de la course, juste avant que les chevaux sortent des écuries, Jean-Luc Lagardère m'a dit « Louis, vous vous occupez de Madame Chirac, il faut que je m'occupe de mon cheval ». Et moi, j'étais debout derrière Madame Chirac, et j'étais chargé de lui commenter la course. Dans le tournant, le jockey, Olivier Pellier, commence à être vraiment ce qu'on appelle, on dit à la rame. Et alors il me dit « qu'est-ce qui se passe ?» Ben, je lui dis « ça va mal ». Il met une ligne droite, il vient à l'extérieur, je lui dis « il est en train de venir » et tout, puis d'un coup je me mets à hurler. Il va gagner et dans la dernière foulée, Sagamix vient et gagne le prix de l'Arc de Triomphe. Alors ben, Madame Chirac était aux anges. C'est pour moi un souvenir vraiment particulier de voir l'émotion de Jean-Luc Lagardère après cette course. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il y a toujours à Longchamp, le jour de l'Arc, une ambiance exceptionnelle du fait de la présence des Britanniques. C'est la course dans le monde qui attire le plus de spectateurs étrangers. Quand j'étais directeur général, j'arrivais le matin très tôt, je faisais le tour de toutes les installations et je les refaisais le soir pour voir s'il restait par quelqu'un. Et je vois un Anglais qui ne marchait pas très droit, s'approche de moi et qui me demande où est l'enregistrement pour les valises. Il croyait qu'il était à l'aéroport. Ça restera aussi un beau souvenir de la convivialité qu'il peut y avoir. Les Japonais, on a eu une année avec Deep Impact. Quand il est venu, il y a eu plus de 5000 Japonais qui sont venus. Ils commençaient à reprendre plusieurs programmes pour avoir des souvenirs de cette journée où ils attendaient la victoire de Deep Impact. Et ils jouaient des tickets du minimum pour donner à leurs amis. Ils ne les touchaient pas. Personnellement, moi, mon rêve, ce serait de voir un cheval entraîné au Japon qui remporte l'Arc de Triomphe, parce que ça serait vraiment le sommet. Le but, ben, c'est d'avoir la plus belle course, les meilleurs jockeys et un public très nombreux. Longchamp et l'Arc, ce sont deux symboles des courses françaises. We'll be right back.